C'est intéressant. J'hésite entre Dora et Théron. Théron, ça marche bien avec Mort-Vivant. Après, Odora, ça marche bien avec la RNG. Si on chatte, c'est pas mal. Théron est plus stable. On va dire que Dora, si on n'a pas le pouvoir, si on n'a pas le sort à deux au début, je pense qu'il faut quand même faire le pouvoir, quitte à acheter une banane. Mais je pense pouvoir T1, c'est vraiment la meilleure stratégie avec Dora. Ne vous en veuillez pas trop. Votre adversaire vous a fait de sales coups. Là, l'idée, c'est qu'on va up pouvoir. Into up pouvoir. Le truc, c'est que si on fait cela, on va vendre quelque chose. Là, non. À part si on trouve la pièce. Et si on trouve un sort à deux, ça marche pas. En fait, est-ce qu'il faut pas acheter la flèche en se disant que dans tous les cas, on va faire up pouvoir, flèche là. Et une touche devant lui. Parce que si on a un sort à deux, dans tous les cas, la curve se met mal en fait, ça change rien. Donc autant prendre la flèche sur le frappeur. Encore faut-il pouvoir le faire T1 avec un spell à deux, non? Si t'as pas de sort à deux, tu fais quand même le pouvoir T1. Je pense, hein. Odora, c'est un perso compliqué parce que la théorie est propre à chacun, mais je pense que tu fais quand même pouvoir T1. En fait, tu fais cette curve-là. La curve la plus agressive possible. Tu fais une 3, une 4 avec une découverte et une carte dorée aléatoire. En vrai, dans la théorie, c'est sympa de faire une 3, une 4. Le problème, c'est que tu démarres bas en PV. Enfin, tu démarres bas. Ta tempo, elle peut être assez faible. Mais... Non, c'est cool quand même. Salut Teddy Barbe. Comment ça se passe? Bon, je suis en vie, donc c'est chouette. C'est le plus important quand même. Il y a des bonnes cartes. Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. Mais je crois qu'il faut faire le play. Une action qui rapporte. C'est rigolo. Et... Drone, c'est bien. Hein. Surtout quand t'as 23, il y a du... Ouais, moi, drone, j'aime bien. Allez. C'est pas mal, hein. On se dit, tour 4, on a une carte dorée. Bon, en plus, c'est une bonne carte, là. Une carte qu'on a gardée au début, qu'on a compotée. Et une carte de construction. Duo de mes 8-4 codes, je pense qu'il ne faut pas hésiter à tempo si on touche pas et continuer à utiliser le pouvoir pour une deuxième découverte. Ah oui, je pense que tu le fais dans tous les cas deux fois. Et justement, c'est l'intérêt aussi de cette stratégie. C'est que tu peux le curver deux fois. Vous avez réussi. Oui, oui, bien sûr. La ville est en sécurité à présent. Après, je rebondis à Oesophage HS qui dit, qui répond, le faire T1, c'est mauvais. Le faire, tu veux dire, faire pouvoir, le pouvoir T1, c'est mauvais.
Si c'est ça, ne l'écoutez pas, c'est une bêtise. Hein. Je pense qu'il faut vraiment le faire tour 1. Pour optimiser vraiment le personnage. Oh, c'est rigolo ça. Après, si tu voulais dire autre chose... Excuse-moi. Moi, c'est ce que j'ai compris. Ok. Bon, lui, il avait rien. Là, on va rentrer le pouvoir. On va faire... Est-ce qu'on veut double rub area sur drone? Non, booster un déflecto, c'est pas mal. Et on va geler une autre barrière, je pense. Ouais, un beau déflecto quand même. Oui, ça se met pas mal en plus dans un spot à 7 gold où on fait 3 plus 3 plus 1. Après, il faut pas que la taverne soit dégueu, mais bon. Au pire, il y a toujours des sorts à 2, roll, achat, des trucs comme ça. Tu peux récap la curve de Dora, bien sûr. Je fais pouvoir T1. Quelle que soit la taverne. Into achat pouvoir, into up pouvoir, up pouvoir. Mon opposant d'avant, il avait des cartes de taverne 2. J'ai trop l'habitude de le faire avec la curve de Rafam, c'est pour ça. Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. Ça c'est faible, mais découvre un serviteur avec magnétisme, chaque fois que vous magnétisez un serviteur, le donne plus de plus de. Ça c'est assez faible, mais c'est vrai que dans ce spot là, avec un drone, avec Robaria, il y a un monde où c'est bien. Après il y a Bidon qui est très bien, tu gagnes de l'argent. Là tu gagnes qu'un seul serviteur quoi. Enfin, tu découvres plus derrière quoi. Je sais pas. Faut réfléchir aussi par rapport au pouvoir. Eudora, Macaron... Je pense qu'on va, jouer ça. On va prendre Crit Détresse, Robaria, ça fait 5 pièces, plus un 6. Donc on peut prendre un truc qui coûte 2. Je pense que ça se met bien. Donc soit bidon, soit dispositif. Je sais que dispositif est pas très fort. Dans le groupe qu'on a entre streamers, Jif il a dit que ça c'était un truc qu'il fallait EP. Mais c'est en général. Et là c'est vrai que c'est un spot où ça peut être intéressant. Donc j'ai tendance à le prendre lui, à vouloir le prendre. Accordé, hein. Ah, dommage. Oh, cette recrue pourra au moins faire diversion. Mais bidon, je pense que c'est pas mal. Je pense que bidon, c'est vraiment bien. Mais c'est vrai que là, c'était quand même tentant avec le drone. Vous avez réussi. Attends, la Rafam Curve, tu fais donc ça veut dire que t'achètes. Ouais mais le truc c'est que si t'as un sort à 2 tu fais comment? Tu peux pas raffamer. Sinon t'es bloqué. Donc déjà tu peux pas raffamer œsophage avec un sort à 2, on est d'accord. Et si jamais tu fais tour 1 achat, tour 2 achat pouvoir, ta raffam elle te dit qu'il faut monter sur les 6 gold. Hein. Donc en fait tu peux pas raffam. Parce que le pouvoir c'est 4 maintenant, c'est pas 2, c'est pas 5. Hein. Donc si tu rafames, en fait, tu vas découvrir une taverne 3, quoi. Tu vas le faire en taverne 2 pour aller chercher une taverne 3, ça n'a pas de sens. Ça fait tarader de partout à la fin. Ça, c'est fort, mais bon. Est-ce que c'est tout le temps fort? Je suis pas certain. C'est la meilleure carte du jeu, ça c'est certain. Après, est-ce que c'est tout le temps la meilleure carte de jeu? Là, moins, quoi. C'est tellement bien. On a tout le temps envie de l'acheter, ça. Tu trouves mal Kézar, c'est débile. Je pense ça pour le... Non, on est à 24, on peut jouer des drones, il y a pas mal de choses qui sont bien quand même. Ça par exemple, c'est pas mal. Avec le magnète. T1
T1, je prends serviteur. T2, pouvoir. Et serviteur, etc. J'ai la dorée au level up taverne 3 ou 7 gold. T2, T3, T4, T5. Ouais, mais tu l'as avec un tour de retard. Et en plus, tu te nourris dans les unes. En fait, ce que j'aime pas, c'est que tu te nourris dans les unes. Tu l'as avec un tour de retard. Donc ta tempo est dégueulasse. Et en plus, tu t'es décurvé. Ouais, non. Non, non, mais c'est pas bon, oesophage. Faut plus que tu fasses ça, petit loup. Oh, waouh. Taverne de Jésus, ça. J'avais envie de up pouvoir. Mais là, j'avoue, c'est dur hein, de faire ça. Bon, on peut quand même, non? Quitte à geler, hein. J'aime pas trop geler. En fait, geler des cartes inférieures, c'est pas très bon. À part si c'est un triple, mais quand tu up et que tu gèles. Mais là, c'est vrai qu'on a un pouvoir qui nous permet de découvrir potentiellement un polarisant. Je sais pas. En tout cas, elle est magnifique, cette taverne. Ah, je fais ça. Oh, waouh. Amalgame, c'est fort. Hein. Amalgame, c'est fort, quand même. Ça, c'est très gros, atrocité, mais je crois que j'en ai pas besoin. Ici vous sera très utile, vous verrez. Je prends juste l'ennuyau sur drone. Où je prends le destrier et je prends ennui au prochain tour. Non, je vais prendre ennui. Pourquoi pas triple vente pour le mécanasson? Bah là j'ai plus d'argent. Là j'ai plus de pièces. Gros boom pouvait peut-être partir. Peut-être gros boom mais c'est tout. Il y a un monde où on peut continuer à le faire. Il est temps de prendre le taureau par les cornes. Bon, les deux mechas par tour, c'est pas mal. Hein. De toute façon, on connaît notre archétype. Hein. Ça, c'est vraiment bien. Ça, on prend. Ça, on prend. Ne refuse jamais de l'aide, aussi petite soit-elle. Oh waouh, bah, GG. Ok. Je crois qu'on n'a pas la place de lui, pour lui. Et je pense que lui va virer.
cette recrue a l'air redoutable. Heureusement qu'elle est de notre côté. Est-ce que je le gèle? Je pense pas. Ah, je pense pas. Là, on va, de toute façon, on va monter, on va aller dans, chercher la taverne 6. Enfin, tout dépend un peu de l'issue du combat. C'est chiant les portes comme ça. J'ai un scaling qui est intéressant. Moi, ouais, je vais up. Hein. J'ai pas peur, je pense que mon board il est fort. Ah. C'est dur hein, de rentrer ça et ça. C'est fort mais c'est dur. Ça c'est sûr que ça dégage. Lui, il est quand même cool, hein. Je vais juste le décaler un peu, quoi. J'aurais pu jouer suffisant, je pense que je suis énorme là. Ok. Compliqué cette game. Impressionnant. Rappelez-moi de jamais vous énerver. Ça peut virer, je pense. Mecha, démon, mort-vivant, mecha.
toute façon, le canasson il va virer. Hein. Un ajout de qualité. Désactivé. Moteur de récolte activé. Je sais pas trop. C'est cool quand même. Ou eux. Est-ce que lui on va le garder? Le problème c'est que si on trouve Polarizon au prochain tour, c'est lui qui saute quoi. Je pense que c'est quand même ça le placement. Après Faucheur c'est une belle carte. Hein. Faucheur c'est quand même une belle carte. Soit contre mort-vivant ou... Puis on a le petit boost supplémentaire. Mais ça c'est vraiment pas très bon. Peut-être que le truc des pièces aurait été mieux. Après on a eu... Ça nous a apporté un peu plus de tempo quand même. Hein. Peut-être qu'au lieu d'être à 19, on aurait peut-être été à 10. Et après, la game est différente aussi. Hein. L'or est à vous. N'allez pas le dépenser en une seule fois. Bon, notre placement est beau, ça c'est chouette. Ça devrait nous faire gagner. Détruit. On moque. Hein. Non, ça c'est bien. On va finir par l'avoir, hein, ou pas. Ou pas en fait. Tu veux une cacahuète, Sinoc ? Oh, cette recrue pourra au moins faire diversion. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Il se cache, hein. Destruction. Il se cache, ce diable. Ouais, on va vraiment jouer sur ce beau faucheur. Lui c'est mort-vivant. Je vais mettre lui first contre mort-vivant je pense. Le placement me paraît pas mal. On n'a pas fini de chanter vos exploits. Il est cool ce spell hein, de pouvoir changer là, de pouvoir. C'est tellement bien. Pas mal. Salut Rafton Sincère, hier j'ai eu Trinket Major, donne 2 LM au début du tour alors que j'avais pas d'LM dans la game, tu crois que c'est un bug? Pas du tout. Ah, il y avait pas d'LM dans la game.
T'es sûr de ça? Sinon, je pense que c'est un bug, ouais. Ouais. Soit c'est un bug, soit t'as mal vu. Ok, contraire des U. Facile, dites-moi. Ça c'est pas mal hein, je pense, contre pirate APM, enfin pirate Exodia. Ça peut être pas mal aussi contre pirate Exodia. Ouais, c'est intéressant Eudora hein, dans cette stratégie agressive hein. Et je peux pas dire que j'ai eu méga de la chance hein. La carte que j'ai découvert c'est Gros Boom, bon c'est un taverne 2, enfin la carte dorée. Derrière j'ai découvert ça, j'ai pris un bibelot faible et l'autre bibelot, bon il est classique. J'ai trouvé j'ai jamais vraiment trouvé une deuxième Draka. Les drones, je les triplé tardivement. Cette game, elle est ok tiers, on va dire, en termes de RNG. Et pourtant, on se retrouve avec un board très très fort. Non, je ne veux pas mettre de bouclier divin là-dessus parce que sinon, ça le taunt. Et j'ai pas envie de le taunter. De toute façon, le premier hit qu'on va faire, normalement, ces premières créatures, elles sont assez faibles. Bon, à moins qu'il ait mis un... En fait, j'ai peur qu'il ait un Leroy... On va voir. On n'a pas fini de chanter vos exploits. Qu'il a un Leroy taunt ou un Leroy à côté d'un... On va voir. Non. Bon, ça va tuer Elisa. Ça sauce hein. Ça sauce de fou hein. Ça sauce de fou. Ah, ça veut dire que là le pocheur il va pouvoir attaquer. Ce qui est intéressant c'est que moi j'ai du scaling, lui il n'en a pas. Parce que moi, chaque tour, je monte en puissance. Après, il va peut-être mettre un faucheur. Vous voyez, il peut faire un tour avec un Leroy, il peut arriver à faire des saloperies. Après, on peut peut-être décaler notre cleave. Hein. Reste comme ça. Hein. Le faucheur. Il met un Leroy. Après, il a beaucoup de taunt. Donc, dans tous les cas, le... il y a un monde où on mettra un autre. Non.
On fait quoi? On part en juste full magnète, hein, on rajoute plein de magnètes. Je mets un faucheur et lui il tape deux fois. Ça veut dire qu'on vire un drone. Je suis à l'aise avec ce play. Ne refuse jamais de l'aide, aussi petite soit-elle. Ce serviteur, c'est un habitué. Mesure de sécurité désactivée. Moteur de récolte activé. J'ai pas besoin de faire un très très gros faucheur, hein. Juste comme ça, je pense que c'est ok. Ok, je tente des choses. L'or est à vous. N'allez pas le dépenser en une seule fois. Je crois qu'il gagne avec ce truc à la con là. Après, je... c'est le play, hein. Je crois que c'est faucheur first, into deuxième faucheur. Ce qui fait que lui, il va taper dans un... Bon, après, là, il tape qu'une fois, mais... Boire pas. Plus les combats passent, plus on sera devant. Ok. Et puis on a un autre faucheur en plus, hein. Là il va taper et il va tuer les petits Forban peut-être. Ouais, ça enlève beaucoup de dégâts, hein. J'enlève 23 x 3. Après c'est pas forcément gagné parce que ça met vraiment beaucoup de dégâts. Je sais pas. Pas forcément. On a un rip-pop. Ouais, non, il va gagner ce combat. Ok, de toute façon, il va rarement nous mettre beaucoup de dégâts. Je pense que mon setup est bien. Je pense que là, il gagne vraiment parce qu'il tue mon... Est-ce qu'il y a un monde où la Antikangor il a du sens? Pas vraiment. Ah, ça donne furie des vents. Possiblement. En fait, faudra arriver à donner taunt au petit loulou là. C'est ce que je cherchais. Ah. Vous voyez, plus on avance, plus je vais dans le 100%. Donc je sais que le statu quo il est totalement en ma faveur. Ça sort bien quand même.
Son bibelot il donne de l'attaque. Bon, les porte-ciel ont plus 8 d'attaque. Ça a énormément amélioré l'Exodia. Hein. Parce que pirate, ça faisait rarement top 1. Là, nous, on a fait un super départ. Enfin, non, pas super départ, mais on a été très rapidement dans l'ultra construction en magnétisme. Ce qui fait qu'on va gagner, mais maintenant, pirate, ça fait top 1. Et pourtant, nous, on est au maximum du niveau possible. Et ça peut quand même faire top 1. Voilà, il est vraiment mal tombé. Pas mal tombé, mais... C'est cool, hein. C'est cool, Odora, avec cette stratégie. Hein. C'est vraiment sympa.